Comment savoir si le métier de prothésiste ongulaire est fait pour toi? Alors, qui je suis? Je suis Nathalie Krebs, formatrice internationale depuis près de 20 ans. Ça fait près de 20 ans que je fais ce métier. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question et on va pouvoir répondre à cette question ensemble. Tout d'abord, excuse-moi, je risque de tousser durant cette vidéo parce que j'ai le Covid en ce moment. Mais heureusement, c'est bientôt la fin. Toute la famille est passée, donc c'était très très compliqué. Ça fait 6 semaines que je dors pas. Donc, s'il y a des petites approximations dans cette vidéo, j'espère que tu ne m'en voudras pas. Donc la première chose à te demander, c'est si tu aimes ton travail actuel, si tu t'épanouis dans ce que tu fais, si tu adores ton patron, tes collègues, que tu adores aller au boulot chaque matin, eh bien continue à faire ce que tu fais. Si au contraire tu te dis moi ma vie actuelle ça correspond plus vraiment à ce que j'ai envie de vivre, je préférerais être à mon compte, je me sentirais tellement bien de créer quelque chose qui me ressemble, j'ai envie de passer plus de temps avec mes enfants. Alors là, il faut commencer à te poser des questions. Le métier de prothésiste ongulaire, c'est un métier qui va être très manuel, quelque chose qui va te permettre de vraiment agir sur ta créativité. On sait maintenant que la créativité, ça aide énormément à rester jeune, à rester en bonne santé, parce que ça nous booste, en fait, ça nous crée vraiment des endorphines au niveau du corps, on se sent bien, on se sent utile. Et donc, du coup, ce métier-là va te permettre aussi, finalement, de jouer un petit peu sur tout ça, d'être bien dans ta vie, de te sentir utile au niveau de tes clientes et puis d'avoir un rapport aussi avec les clients très intime où tu vas pouvoir être un petit peu l'oreille attentive, tu vas pouvoir être la parole réconfortante qui va faire que vraiment tu vas sentir au bout de la journée que tu as vraiment contribué. On peut se dire oui mais les ongles ça reste un domaine très superficiel, mais en fait la plupart des filles ne viennent pas pour se faire les ongles, elles viennent parce qu'elles aiment se sentir belles, parce que tous les jours elles vont regarder les ongles, elles risquent de penser à toi, parce que du coup elles vont aussi avoir ce besoin de sortir peut-être de chez elles, de se faire plaisir. Elles se disent peut-être qu'elles travaillent pour quelque chose et qu'elles ont envie de se sentir belles à travers ça. On peut se sentir belle à travers un maquillage, à travers des colorations, à travers des habits. Et ça passe aussi par les ongles. Donc, c'est finalement un métier pas si superficiel et tu peux rapporter bien plus de profondeur à ce métier que ce qu'on pourrait imaginer. J'avais par exemple une cliente comme ça qui m'a dit, on a eu des échanges très personnels, je ne dirais rien là-dessus parce que ça reste entre elle et moi, mais que je l'avais énormément aidée dans une situation très très compliquée de par mon écoute et du fait de pouvoir lui répondre avec beaucoup de douceur, de gentillesse et de compassion. Et ça, je pense que le monde en manque énormément, de la compassion, de la gentillesse, de l'écoute. Et donc du coup, tu vas pouvoir amener tout ça en plus. En plus, ce qui ne gâche rien, c'est que tu vas pouvoir bien gagner ta vie. Je ne sais pas combien tu gagnes actuellement, 1500, 2000 euros, 2500 euros, si tu gagnes plutôt bien ta vie. Tu vas pouvoir gagner largement ça, voire bien plus, si tu souhaites de faire ce métier. Par contre, il ne faut pas le faire n'importe comment et il faut se former. C'est absolument nécessaire. Alors, je ne te dis pas ça parce que je fais des formations, hein, même si j'en proposais pas. Je te dirais ça tout simplement parce que ça permet de prendre un raccourci. Parce que si tu veux le faire par toi-même, tu vas faire tellement d'erreurs. Parce que sur YouTube, tu vois vraiment de tout et de rien. Tu vas être complètement perdu. Tu vas tester pendant des mois, voire des années. Je connais des personnes, ça fait 10 ans qu'elles testent par elles-mêmes. Et elles n'ont toujours pas beaucoup de résultats. Elles n'ont pas beaucoup de clientes. Elles vivotent avec 3, 4, 5 clientes par mois. Ça ne suffit pas. Au contraire, si tu veux correctement en vivre, il faut savoir comment bien pratiquer. Mais c'est pas le tout encore, hein. Ça va être comment trouver des clientes, comment avoir une présence en ligne, comment donner envie aux clientes de venir chez toi pour la première fois pour te découvrir, mais aussi comment les fidéliser, comment mettre toute une entreprise en place. Et là, tu peux te dire « Ah, ça fait peur !» Mais en fait, je suis là pour t'accompagner justement dans toutes les étapes. Donc en fait, tu as simplement à copier-coller tout ce que je t'apprends et en fait, ça devient super, alors je dirais pas facile, parce que forcément, ça demande du travail, hein, ces nouvelles compétences que tu vas développer, mais ça devient beaucoup plus simple que de se lancer seul, se dire oui oui ça va fonctionner. Honnêtement, il y a énormément de prothésistes ongulaires qui ne fonctionnent pas du tout parce qu'elles n'ont pas mis des stratégies concrètes en place, elles n'ont pas mis les bonnes choses en place en fait, elles font plein d'erreurs et certaines choses tu peux te dire ouais mais c'est pas une erreur, mais en fait si du point de vue de la cliente
ça va pas lui donner envie de revenir. Et donc tout ça, tu dois le savoir, tu dois le maîtriser. Donc si tu sens vraiment que tu as envie maintenant de faire quelque chose pour toi, de gérer ton emploi du temps comme tu le souhaites, de pouvoir être heureuse, de pouvoir contribuer au monde et peut-être de gagner plus que ton salaire, voire peut-être le doubler, pourquoi pas, parce qu'on peut gagner entre 2000 et 5000 euros avec ce métier, sans même être formatrice, hein, juste en faisant les ongles, mais en les faisant de la bonne manière, en ayant les bonnes stratégies. J'ai fait une masterclass complète d'ailleurs pour t'expliquer comment moi je fonctionne, ce que moi j'ai intégré dans les formations qui est totalement unique. Et donc du coup, si tu veux y accéder, tu peux regarder donc juste sous cette vidéo ou à côté de cette vidéo, tu verras du coup un lien. C'est totalement gratuit, hein. Mais par contre, les places sont vraiment limité. Donc si tu veux y accéder, accède-y maintenant. Et du coup, si tu veux en discuter, sache que je pense que je suis la dernière à faire ça, mais tu pourras m'avoir moi directement au téléphone pour qu'on discute ensemble de ton projet. Si tu veux vraiment faire ce métier, moi je serais super contente de pouvoir t'indiquer ce qui est le plus adapté pour toi et de pouvoir te guider au mieux, te prendre par la main et de t'accompagner donc jusqu'à la réussite de ton projet. Là, je suis en train de remettre entièrement ma formation de niveau 1 à jour et je crée un tout nouveau programme qui sortira dans quelques jours. Donc j'espère que mon Covid sera guéri pour pouvoir donc accueillir correctement les premières élèves dans ce programme-là, super VIP, où je vais vraiment les accompagner de A à Z. On va vraiment aller tout voir, donc au niveau de leur Instagram, au niveau de leur site internet, tout ça, pour voir ce qui est bien fait, ce qui est amélioré. Pour justement, l'objectif, c'est qu'elle soit libre financièrement et libre tout court finalement, puisque l'un et l'autre sont liés, le plus rapidement possible. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est qu'au bout de 2 mois, elles aient toutes les clés en main pour pouvoir réussir. Donc si jamais c'est quelque chose que toi, tu veux aussi, que tu veux te donner les moyens, que tu veux te faire ce cadeau, regarde vite ma masterclass, j'y explique tout et tu verras que c'est super complet. Et en plus de ça, là, la première session va commencer prochainement, j'ai encore quelques places qui me restent. Si jamais ça t'intéresse, je fais vraiment une super promo. Pour débuter, je te donne vraiment plein de choses en plus, tu verras. Et donc du coup, on peut en parler. Par contre, les inscriptions se finissent cette semaine, donc décide-toi rapidement, sinon ce sera la session d'après. Du coup, il y a une nouvelle session qui s'ouvre tous les 2 mois pour ce nouveau programme, mais sinon pour la formation classique, on va dire plus en autonomie, parce que là autrement c'est pas en autonomie, hein, c'est vraiment je suis sur ton dos tout le temps, on a des lives toutes les semaines, on est tout le temps ensemble, mais si tu veux quelque chose de plus light, plus cool, où tu avances plus à ton rythme, c'est possible en accès immédiat, c'est-à-dire qu'une fois que tu réserves la formation, voilà, tu peux y accéder directement. Pour ce programme-là, c'est une ouverture tous les 2 mois, du moins c'est comme ça que j'ai programmé la chose. Donc voilà. Demande-toi si c'est quelque chose qui te plaît depuis toujours, que tu as envie de booster un petit peu ta créativité, que tu as envie d'être heureuse au quotidien, de t'organiser comme tu le souhaites, d'être là pour tes enfants. Et moi, en tant que maman, je le vois, hein, mes filles étaient malades avec le Covid et tout pendant 6 semaines. Si j'avais eu un patron et que je lui avais dit, écoute, faut que je me mette en arrêt, si j'avais dû prendre tous mes congés pour rester là pour mes enfants, ça aurait été très compliqué. Là, j'ai vraiment pu le faire parce que je m'organise comme je veux. Donc, quand mon conjoint peut les garder, je peux travailler. Et voilà. Donc, c'est vraiment une liberté qui est difficile à trouver dans d'autres choses. Bien sûr, il va falloir que tu travailles, bien évidemment. Mais tout ça, on le fait de manière, on va dire, pragmatique, en faisant des pauses rapides, en proposant vraiment le meilleur service possible avec les meilleurs produits possibles, des produits tout en un, donc qui vont permettre de faire plusieurs choses en même temps, des produits hypoallergéniques, donc les clientes sont super contentes. On va vraiment étudier tout ce qui est hygiène médicale, on va aller bien plus loin que juste la prothésie ongulaire classique comme on le connaît en France, mais voilà, on va, en fait, j'ai pris le meilleur un peu de partout pour vraiment créer maths technique à moi qui va te permettre d'aller le plus vite possible vers l'obtention des résultats que tu souhaites. Et si tu crois aujourd'hui que c'est pas possible, sache que c'est juste ton mental qui te dit ça, tes peurs, ton programme subconscient, et sache que sur ça aussi on va travailler pour éliminer tous les blocages. Donc c'est-à-dire que tu ne seras pas que mieux dans ta vie professionnelle, mais aussi
dans ta vie personnelle, où tu vas redécouvrir ton pouvoir de femme, ton pouvoir de créer quelque chose, d'être là et de pouvoir contribuer à la famille, à la hauteur que tu le souhaites finalement. Ou si tu es toute seule, eh bien, tu vas pouvoir vraiment faire quelque chose qui te ressemble, bien gagner ta vie, être heureuse, être épanouie. Donc si ça te dit, je te dis tout de suite, à tout de suite dans la masterclass et à très bientôt, peut-être par téléphone. À bientôt, bye.